Abonne-toi à MySports. Et de passer Profico. Finalement, il va trouver Eigenmann sur la ligne bleue. Schmutz, c'est but! Ajoa qui ouvre la marque après 14 minutes et 4 secondes. Les Ajoulots qui prennent le dessus avec leur premier bloc face au premier bloc adverse. Et Reto Schmutz. Ben, je vous le disais tout à l'heure, je vous avais pas menti, c'est un des hommes en forme. Schmutz qui avait marqué face à Zug son dernier but lors de l'avant-dernier match de la formation Ajoulotte. Il s'est montré un peu patient et malin, il n'a pas repris direct. Le Duc, Eigenmann, la déviation but, le deuxième Bogdanov. Et pour lui c'est un jour à marquer d'une pierre blanche. On va pouvoir reprendre le puck au fond du but et l'offrir au Franco-Suisse qui marque son premier but à ce niveau de compétition. Clairement, un but riche en satisfaction. Oui, à Joamen, donc c'est forcément satisfaisant pour lui. Mais on lui a donné le puck il y a quelques instants. Très belle déviation et qui a fait la passe encore une fois. Aigi, comme on l'appelle, Eigenmann. Vetter là qui a pu déjà se montrer dangereux. Diouza, et c'est déjà 2 à 1. 15 secondes. Alors si de la tribune de presse on savait que ça allait être compliqué, on peut quand même se demander pourquoi sur la glace on n'était pas prévenu. Zach Mitchell, 2 à 1. La défense du HC Ajoa n'y était pas. Alors, Eigenmann complètement dépassé par la présence de Mitchell. Pour Rowe qui vole le puck. Mitchell et but. Et voilà, une grosse erreur. Et c'est déjà le 8e but encaissé par Ajoa à 4 contre 5 cette saison. Zach Mitchell, bourreau de l'équipe jurassienne. 26 minutes 59. Ben, ça fait qu'il aura fallu 6 minutes 59 aux Lakers pour revenir à égalité. Ce puck mal négocié le long de la bande. Mitchell qui ne fait pas de cadeau. Servi par Rowe. Châtelois. Arrivée de Diouza qui va prendre un tir et but. Renversement de situation complet en 8 minutes 50. Diouzé pour le 2 à 3. Le Suédois qui se met en condition en vue des prochains Jeux Olympiques. Et on voit Rouillet tendre la crosse, mais ça va pas suffire face au talent de Diouzé. Et puis là, Eberhardt a quand même laissé apparaître des limites, on va dire ça. Van de Chervenka, Diouzé, le poteau, le puck est là, mais il revient au fond de la cage. Et Chervenka marque son habituel but contre Ajoa. 4 à 2. Après une 15 d'un jeu de puissance impitoyable, Roman Chervenka. 4 matchs contre Ajoa, 4 buts. Ouais, sur 13 minutes 45, ça fait quand même un 4-0 encaissé par Ajoa. Ajoa a pris son temps mort tout à l'heure. Après le troisième but, cette fois-ci c'est le changement de gardien qui... C'est pas encore pour maintenant, hein. On procède au changement de joueur à Rappi et c'est 5 à 2. Le tir des Bichers qui transperce Wolf. Wolf proteste. Alors, y a-t-il eu... Les arbitres en tout cas discutent, hein. Y a-t-il eu une irrégularité devant la zone?
Oh, je vois absolument rien d'irrégulier sur le tir. Qui laisse à Trossard, le tir but. Oh, il est superbe. Superbe tir de Thibaut Trossard. Alors, parmi les choses qui vont mieux côté jurassien, c'est le retour en confiance de cet homme, Thibaut Trossard, qui avait déjà marqué à Lausanne pour la première fois depuis 16 rencontres. 16 rencontres de disette avant ce match à Lausanne. Et ce soir, il vient nettoyer la toile d'araignée, comme on dirait en football, de Niffler. Il est absolument magnifique, ce but. L'équation est quand même assez compliquée, puisque les Jurassiens encaissent derrière le 6-3. Après 25 secondes de 5-3, on passe à 6-3. La réussite de Tchervenka, qui réussit le doublé. Le top scorer, le meilleur compteur de la Ligue, qui réussit son quatrième doublé de la saison. On se disait que l'équation, même à 5-3, elle était compliquée, parce qu'il fallait marquer deux fois et ne pas encaisser. J'aurais peut-être dû commencer par l'autre côté. Il faut déjà ne pas encaisser et ensuite marquer. Birbaum a voulu y aller seul. Vic lui a montré que c'était pas la bonne idée. Et voilà le 7ème. 7-3. Un but inscrit par Forer cette fois-ci. Sandro Forer, qui avait joué avec Ajoie lors de la saison 2018-2019. Il avait joué 26 rencontres au total avec les Jurassiens, alors qu'il était prêté par Fribourg-Oteron. Encore une erreur de la défensive à Joulot, qui se paye cash. Tout est parti de ce revirement concédé par Alain Birbaum.